Alors, comme promis, il y en a qui me le demandent sur mes commentaires, je vous propose aujourd'hui la recette toujours de la forêt noire, mais sous forme de bûche de Noël. Bon, l'autre jour, je vous avais fait le gâteau, la génoise et le gâteau aux forêts noires, mais il y en a qui me disent, oh, faites-nous voir pour la bûche de Noël en forêt noire. Alors, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour cela, il vous faut toujours la même recette de génoise. Alors, vous mettez 5 œufs dans votre batteur avec 125 g de sucre. Voilà. Et là, vous mettez à battre pendant environ 10 minutes. Et il faut que ça monte voilà, on se retrouve à la fin du battage des œufs et du sucre. Voilà, alors ça fait 10 minutes que mes œufs se battent avec la. Et regardez, comme avec les œufs et le sucre, hein, 5 œufs et 125 grammes de sucre. Et donc, voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à y incorporer. Je vais prendre ma petite palette. Alors, je vous l'ai dit déjà à la recette de la génoise, de la forêt noire. Ah, le voilà. Vous incorporez la farine, donc 125 g de farine et 40 g de chocolat, mais vous le tamisez tout ça et pour l'incorporer avec votre mélange œuf sucré. Voilà. Alors je le ferme deux fois. Normalement, ça. Et là, de bas en haut, je soulève et j'incorpore ma farine avec mon sucre, avec mon chocolat dans les œufs et avec le sucre. C'est tout simplement la recette de la génoise que je vous donne régulièrement pour tous les gâteaux. Ont besoin d'une génoise. Voilà, vous mélangez toujours de bas en haut, oui. Vous touillez pas. Là, je vais finir d'incorporer ma farine avec mon sucre. Et je tamise. Voilà. Et allez, je touille de bas en haut. Pendant ce temps, pendant que mes œufs se battaient avec le sucre, j'ai fait chauffer 200 g d'eau avec 100 g de sucre et quand ça a commencé à être en ébullition, j'ai ajouté de l'eau de vie de la macération de mes cerises. Je vous l'avais dit lors de la recette de la forêt noire. Voilà, là je crois que c'est
C'est mélangé, c'est bon, il n'en reste plus au fond, c'est bon. Et donc, quand le bout, vous y ajoutez soit une liqueur, bon là, il se trouve que j'ai l'eau de vie de macération de mes cerises, alors c'est très parfumé, donc je m'en sers pour parfumer mon sirop. Voilà, et là, au lieu de le mettre dans un moule rond comme pour la forêt noire, je le mets dans une plaque à pâtisserie avec un papier cuisson, bien sûr, au fond. Et comme ça, ça me fera la forme. Après, je le roulerai comme un gâteau roulé et je le roulerai pour faire ma bûche. J'essaie de ramasser toute la pâte, bien sûr, hein, je ne veux pas en gaspiller, ça serait dommage. Voilà, vous l'étalez un peu. Encore un petit peu, voilà. Et là, je l'étale. Pour dire que ça me fasse la base de mon gâteau roulé. Après, en chauffant, ça va s'égaliser de toute façon. Hop, je fais tomber l'excédent dessus. Et voilà. Là. Je tape un peu et là je vais l'enfourner à mon four préchauffé qui est à 160. On se retrouve quand je le sors du four. Donc après 20 minutes, presque 20 minutes quoi, hein, dans le four. Voilà, ma génoise est cuite. Alors là, j'ai pris un torchon propre, bien sûr, que j'ai mouillé et essoré. Et donc, vous le mettez sur votre gâteau. Voilà, hop, je le mets comme ça. Et là, je vais tourner mon gâteau sur mon torchon mouillé. Je vais enlever mon papier sulfurisé. Vous le roulez avec votre. Là. Hop, je fais un peu plus haut. Et là, je roule. Il est chaud. Hein. Là. Hop. On ne se coupe pas. Et ainsi de suite, voilà, pour qu'il se retrouve dans mon torchon humide. Voilà. Alors, je préfère le rouler dans ce sens parce que si je le roule dans l'autre, il est plus plat, ça fait moins dodu, quoi, hein, bien sûr, parce que. Voilà. Alors, et je continue jusqu'à ce que je sors au bout. Voilà, là j'y suis. Vous le faites délicatement, hein, bien sûr. Hein. Voilà, et après avec votre torchon, ça vous aide à le rouler complètement
et vous l'enfermez dans votre torchon humide. Et on va le laisser refroidir. La plaque. Et on va le laisser refroidir comme ça dans votre torchon humide. Voilà. Ça vous évitera de le casser quand vous le roulez. On va le laisser refroidir la génoise et on se retrouve après pour le montage du gâteau. Voilà, alors donc je vous ai laissé quand mon gâteau a été entouré dans mon torchon. Donc, je vais le reprendre. Alors, pendant ce temps, ce petit détail qui a son importance, j'ai monté ma chantilly avec de la crème fraîche fleurette entière, voilà, 25 centilitres, et 125 g de mascarpone. Donc, je les ai montés au batteur et en chantilly avec 40 g de sucre glace. Et donc, ça va être pour garnir mon gâteau. Donc là, je défais ma génoise. Bon, là, au début, il faut y aller doucement et pour pas le casser, bien sûr. Voilà. Là. Et là, il a refroidi. Tout est en étant entouré dans le torchon humide, de ce fait, il ne s'est pas cassé. Voilà. Alors là, je vais le... Non, d'abord, je vais le mettre avec le sirop. Vous savez que je vous ai dit 100 g de sucre, 200 g d'eau et de la liqueur quand ça... Vous le portez à ébullition et ensuite, vous le mettez à... Vous mettez la liqueur quand il a pris l'ébullition. Et voilà. Hop, je vais défaire encore un petit peu. Voilà. Et là, j'arrose toute ma génoise, hein, pour qu'elle soit bien onctueuse après. Alors, donc, je vous dis, si vous n'avez pas de cerises à l'eau de vie, vous mettez des griottines ou des cerises confites. Et vous vous servez, soit s'il y a des enfants, vous mettez de la vanille ou du sirop de cerise pour parfumer votre sirop avec lequel vous y mettez la génoise. Ou alors, si c'est pour des adultes, vous pouvez très bien y mettre du kir. Voilà, et là, je vais prendre ma chantilly. Et le fourrer avec, à mettre une couche de, pour dire de, voilà, l'étaler là. Je mettais bien de partout. Au bord. Et après vous y mettez soit
si vous avez comme moi des cerises à l'eau de vie, c'est l'idéal. Mais autrement, vous mettez des griottines ou des cerises confites. Hein. Voilà. Je les ai équeutées et coupées en morceaux, bien sûr, et enlevé le noyau. Ça va sans dire. J'en ai gardé quelques-unes avec le noyau et la queue pour faire joli, mais je vous répète, ne vous tracassez pas. Si vous n'avez pas de cerises à l'eau de vie, vous mettez des griottines ou des cerises confites. Hein, naturelles ou comme vous voulez. Voilà, là vous. Et voilà, ça, je vais le rouler. Alors, vous faites voilà, hop, vous le faites venir doucement, doucement. Voilà, je l'ai rempli généreusement. Alors, ce qui fait que voilà, et là vous prenez avec votre torchon et vous le tournez comme ça. Voilà, pour là, je vais tâcher de ne pas le couper. Ça serait Nico, je vais le mettre là. Et voilà. Vous voyez, si ça vous fait une bonne bûche bien généreuse. Bien sûr, après, vous enlevez. Je vais me rincer un peu le nez. Et voilà, là. Et je vais finir de le dessus avec le reste de ma chantilly, là. Alors, si vous n'aimez pas le mascarpone, je vous le redis chaque fois, c'est par une obligation le mascarpone. Hein. L'adjonction du mascarpone dans la chantilly n'est pas vraiment une obligation. Moi, je trouve que ça fait plus onctueux, plus bon. Mais après, ça, c'est une affaire de goût. Hein. Mais vous faites une chantilly normale, hein, avec de la crème fraîche, bien sûr, entière. Il vous faut au moins 30, hein. 30% de matière grasse, autrement. Elle ne monte pas bien, votre chantilly. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, après, vous arrangez votre. Les doigts. Et avec la palette, là, je vais la ranger dessus. Croyez-moi, ça, d'habitude, tout le monde aime bien cette bûche forêt noire. C'est douteux, c'est. Mais bon, mais ça, et du coup de chacun, ça dépend.
finir. Alors là, vous pouvez, moi j'aime bien la laisser comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez entamer une première tranche pour faire voir que c'est l'intérieur de la bûche. Mais je trouve que c'est joli aussi comme ça. Alors ça fait que moi je le présente comme ça. Après, c'est libre cours à votre créativité. Voilà. Et là, je vais y saupoudrer du chocolat râpé. Alors vous voyez, c'est pas compliqué, je vous assure, c'est agréable à faire en plus, c'est plaisant. Rien que le plaisir de le faire soi-même, hein. Voilà, je crois que là, il commence à y en avoir pas mal de chocolat. Bon, on va un petit peu sur le bord, et voilà. Et là, bon, j'ai des petits personnages de Noël. Alors, je les mets comme ça. Quelques petits sapins pour faire sans oublier bien sûr le Père Noël, et vous pouvez même y ajouter la petite hache, et voilà. Vous voyez comme ça présente, et c'est mignon, et vous aurez le plaisir d'avoir fait votre bûche de Noël façon forêt noire, hein. Alors, j'avais gardé des cerises pour y mettre, mais je trouve qu'avec les petits personnages, ça suffit. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Si c'est mignon, regardez. Voilà la bûche de Noël façon forêt noire. Alors, merci pour vos commentaires. À une prochaine recette. Pensez à vous abonner. Et à bientôt.